Je trace deux droites dans le plan. Il y a trois cas différents. Le premier est lorsque les deux droites se croisent. En mathématiques, on va dire qu'elles sont sécantes. Ici, la droite AB et la droite CD sont sécantes en E. Le deuxième cas, c'est lorsqu'elles sont non sécantes. Autrement dit, elles n'ont pas de point d'intersection. Au lieu de dire non sécantes, on va dire qu'elles sont parallèles. C'est la même chose, aucun point d'intersection. Le troisième cas, c'est lorsque les deux droites sont superposées. On dit qu'elles sont égales ou on dit qu'elles sont confondues.